Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je me suis fait une petite théière avec un super bon thé, un de mes thés préférés. Je crois que ça va être encore un peu chaud. Ça va, c'est encore un peu trop chaud, mais ça va. Et du coup, je reviens pour vous faire une petite lecture. Alors, si vous avez vu le vlog précédent, sans grande surprise, je suis encore et toujours dans Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Et c'est de la New Romance. J'avance pas mal, je suis à 70%, je pense, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ce que ma liseuse me disait. Je l'ai pris également sur liseuse parce que je lis principalement le soir dans mon lit. Et parfois, de temps en temps, la nuit également, quand je tire mon lait. Bref, on s'en fout un peu, mais c'est pour ça que je l'ai en format papier et en format liseuse, notamment. Et du coup, dans cette histoire, ça... On va parler d'un sujet qui est qui me tient à cœur. Alors comme je disais, je pense dans la vidéo précédente, qui n'est pas, je l'ai pas vécu et heureusement pour moi. Mais on va parler d'harcèlement, de bizutage, etc. Et j'avoue que c'est un sujet, je sais pas vraiment l'expliquer pourquoi, qui me tient particulièrement à cœur. Et du coup, j'avais un petit peu une appréhension en rentrant dans ce roman parce que c'est la seule chose que j'avais lu. C'était dans les trigger warnings, harcèlement psychologique et bizutage. Et du coup, bah, j'avais un petit peu peur parce que je sais que si ça va trop loin et que c'est trop fort pour moi, bah, ça va pas le faire. Ici, pour être tout à fait honnête, il y a une scène qui a été très dure pour moi, mais elle s'est arrêtée assez vite pour que je ne doive pas sauter. Après, c'est pas gore non plus. C'est, je pense que moi, j'ai un blocage où je me focalise là-dessus. Et du coup, voilà, mais c'est pas du tout gore. Il n'y a pas du tout du sang partout. C'est pas du tout au niveau des cadavres et des trucs comme ça. Hein. C'est vraiment harcèlement psychologique. Et oui, comme je dis, bizutage. Enfin, comme je dis, comme ils le mettent eux-mêmes, bizutage. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Camélia. On va suivre deux personnages principaux. Il y a d'une part Camélia. Camélia qui a malheureusement vécu un harcèlement scolaire il y a 5 ans. Ça, c'est l'épilogue, si vous voulez. Et 5 ans plus tard, donc elle a vécu un harcèlement scolaire de tout un petit groupe, mais dont le chef était Rory. Et en fait, Rory est décédé. Et suite à son décès, son testament est ouvert et dans son testament, Camélia est citée. Donc la victime, Camélia, a été citée par son bourreau dans son testament. Et du coup, Camélia apprend qu'elle est citée dans le testament, mais sans savoir qui, que, quoi, comment. Évidemment, elle doit aller le jour de la lecture du testament. Et donc ce jour-là, elle va, c'est quelqu'un de très curieux. Et du coup, elle décide d'aller et voir ben, qu'est-ce qu'il dit dans son testament par rapport à elle. Et suite à ça, elle revoit évidemment le petit groupe qui l'a harcelé à l'école. Évidemment, Rory, le chef, est décédé, donc lui, il n'est pas là. Mais il y a tout le petit groupe, sauf une autre personne, Lou, qui n'est pas là parce que, apparemment, c'est Lou qui aurait tué Rory. Lou qui fait partie de ce petit groupe et on réalise tout de suite que Lou, enfin on le sait d'emblée, que Lou est amoureux de Rory et donc il y a une histoire qui, par rapport à tout ça, évidemment qu'on va découvrir petit à petit dans le roman, mais on sait d'emblée que Lou est amoureux de Rory. Et donc, en fait, Rory est retrouvé dans la voiture que Lou conduisait, dans le coffre et il y a des empreintes de Lou, etc. Donc Lou a été arrêté tout de suite, il a été mis en prison. Et donc suite à la lecture de ce testament, ben, Camélia apprend plein de choses, enfin plein de choses, découvre ben, qu'elle est citée dans le testament et elle reçoit un message assez particulier, une lettre assez intrigante et avec plein d'énigmes. Et du coup, ben, évidemment, ça tisse sa curiosité. Et elle apprend que c'est Lou qui a tué Rory. Et donc, suite à cette lecture de testament et suite à ces deux informations, elle décide de devenir l'avocate de Lou pour se venger
et prendre enfin le dessus sur Lou qui faisait partie du petit groupe qu'il harcelait à l'école. Et donc en fait, suite à ça, il y a tout un schéma qui va se mettre en place, toute une histoire qui va se mettre en place, des rebondissements. Et pardon, et en fait, on réalise très vite que c'est comme un jeu de piste, c'est comme un Cluedo que Rory, donc la personne décédée, a mis en place avec plein d'indices à droite, à gauche, et Lou et Camélia vont se lier d'une certaine façon pour trouver les indices les uns après les autres et découvrir enfin ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Pourquoi c'est important pour Camélia? Bah parce qu'elle est l'avocate de Lou et du coup, bah, son but, c'est de trouver le fin mot de l'histoire et ce qui s'est réellement passé. Et pour Lou, pourquoi c'est important? Bah, de un, pour sortir de prison. Et de deux, parce qu'il veut vraiment savoir en fait, ce qui s'est passé. De un, aussi faire réaliser le jeu que Rory a mis en place, mais aussi parce qu'il se doute, enfin, il pense. Moi, j'ai pas le fin mot de l'histoire, donc j'en sais rien. Mais il pense que c'est l'un du groupe qui aurait tué Rory. Et du coup, bah, c'est important pour lui de savoir qui c'est. Parce que tout le monde prétend être ami, mais en fait, il y a peut-être un traître dans le groupe. Donc voilà. Et comme j'ai dit, en fait, ce livre, c'est vraiment une sorte de Cluedo. On va aller d'indice en indice. Et on va avancer comme ça dans l'enquête. Évidemment, moi, je sais pas encore où ça me mène, enfin, où ça nous mène, parce que je suis pas encore à la toute fin, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on avance vraiment étape par étape et au-delà des indices, il y a plein d'autres choses à côté qui se passent et de temps en temps, il y a des, alors c'est pas des retours dans le passé au niveau des dates, mais on est dans la tête des personnages et du coup, parfois dans leurs pensées, ils repensent à des moments passés et à ce moment-là, on comprend mieux ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, franchement, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très fluide, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour l'instant, donc je suis vraiment très contente. Et au niveau de la structure, on va suivre, je ne l'ai pas encore dit, deux personnages principaux, donc Lou et Camélia. Et en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est que du coup, une fois on est dans la tête de Lou et une fois on est dans la tête de Camélia. Et du coup, vu qu'ils pensent parfois de manière complètement opposée et Camélia pense savoir comment ce que Lou pense, alors qu'en fait, quand on est dans la tête de Lou, dans un chapitre où on est dans la tête de Lou, on réalise que Camélia se trompe complètement et inversement. Mais ils jouent plein de jeux, ils sont pas toujours authentiques, etc. Et en fait, on réalise que c'est un énorme brouillon et que la communication est pas du tout claire, qu'il y a plein de jeux psychologiques et que c'est un vrai melting pot, comme j'ai envie de dire. Donc voilà, franchement, c'est très bien fait, c'est très bien ficelé. Comme je dis, il y a des indices qui sont donnés au compte-gouttes. Et c'est vraiment comme on suit l'histoire et l'intrigue en même temps que les personnages, en fait. Donc c'est assez sympa. Pardon. Et alors, il y a un troisième, au schéma narratif, il y a un troisième élément, c'est que de temps en temps, pas systématiquement, mais de temps en temps, on va suivre Rory, donc la personne qui est décédée, le jour de sa mort. Et donc ça aussi, c'est assez intriguant parce que le fait d'être dans sa tête à ce moment-là, ben on réalise des choses qui se sont passées le soir de sa mort. Évidemment, ben ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai pas encore du tout deviné qui était derrière tout ça. Et c'est vrai que le jeu de piste mis en place par une personne décédée, c'est très particulier et je me demande vraiment où ça va nous mener. Mais ça donne des informations supplémentaires et c'est assez sympa. Donc franchement, j'aime beaucoup. Il y a juste, comme je disais, il y a une scène jusqu'à présent d'harcèlement et de bizutage qui m'a fait froid dans le dos. Après, je m'en doutais. Il y a un moment, à partir du moment où on met trigger warning au début du livre, attention, harcèlement psychologique et bizutage, ben il faut que, enfin, c'est logique que ça sorte à un moment donné dans le livre. Le harcèlement, on en parle beaucoup et c'est un des sujets principaux, mais il n'y a pas de scène assez, enfin, pas assez trash, c'est pas ça que je veux dire, mais il n'y a pas une grosse scène jusqu'à présent qui est trash. Le bizutage, par contre, jusqu'à présent, il y a une grosse scène que j'ai pas du tout aimée, mais elle dure pas trop longtemps, heureusement. Donc voilà. Mais en tout cas, je passe un excellent moment. Je me suis vraiment
attachée au personnage, tant à Camélia que à Lou. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, étant donné que Lou fait partie d'un groupe qui harcèle à l'école, etc., qui a harcelé à l'école. Mais en fait, quand on apprend à le connaître, on réalise que, comme je dis, il y a 1000 jeux psychologiques dans ces personnages et dans cette histoire, et enfin, dans ces personnages, dans ce groupe d'amis, même si personnellement, moi, j'appelle pas ça vraiment des amis, mais bon. Donc voilà, franchement, ça se lit super bien. Je suis vraiment très curieuse, surtout que c'est une saga. Il y a 4 tomes. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. L'hiver est déjà sorti d'ailleurs. Je vais essayer de penser à mettre la couverture ici. C'est la suite. Mais du coup, je ne sais pas du tout où est-ce que ça va en finir dans ce roman. Parce que s'il y a encore 3 autres livres, je me demande un petit peu où l'autrice va me mener dans toute sa saga. Donc, je suis très curieuse. Donc voilà, ça c'est ma lecture papier du moment. Je pense le terminer. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais lire cet après-midi. Parce que c'est une semaine plutôt slow down, comme j'ai envie de dire. J'ai pas beaucoup lu début de semaine, mais j'essaye de trouver un peu plus de temps pour lire parce que ça me fait vraiment du bien et j'ai vraiment envie d'avancer. J'ai envie de lire plein de choses pour l'instant, mais en même temps, tant que je lis pas beaucoup plus, je sais pas lire les choses que j'ai envie. Mais en même temps, choisir ma prochaine lecture, c'est pas aussi évident parce que, comme je dis, d'un côté j'ai envie de lire plein de choses, mais d'un côté j'ai envie de rien lire. Enfin, c'est pas que j'ai envie de rien lire, mais je sais pas quel livre j'ai envie de lire après, donc on verra après. On verra un petit peu. Évidemment, je ne dois pas choisir maintenant, mais plus j'avance vers la fin, plus je réfléchis à ma prochaine lecture. Je ne sais pas encore trop vous dire ce que ce sera, mais on verra si ça sort dans ce vlog-ci ou pas. Mais j'espère dans le sens où ça veut dire que j'aurai bien avancé dans ce livre-ci. Donc voilà, mon objet de lecture papier. Et sinon, en audio, je suis encore et toujours dans Le Comte de Monte-Cristo, le tome 1 de Alexandre Dumas. Et moi, j'ai la version Hugo Poche. Et c'est trop bien. Je pense dans la vlog précédent, je vous disais qu'il y a un passage qui était un petit peu, qui m'emballait un petit peu moins. Mais ça y est, là, je suis repartie. Je suis nouveau à fond dans les personnages. Et je suis très intriguée de savoir la tournure que va prendre cette histoire. Et au niveau de la vengeance, enfin, on va parler de vengeance dans ce livre notamment. Et je suis très, très, très curieuse et intriguée de savoir comment le héros principal va mettre en place tout ça. Mais je vous en dis évidemment pas plus parce que je trouve que la quatrième de couverture spoile beaucoup trop. Alors, certes, c'est un classique, certes, c'est un livre, un roman dont on a probablement tous entendu parler. Alors, moi, je connaissais pas du tout l'histoire, mais c'est vrai que le Comte de Monte-Cristo. J'en avais entendu parler, je connaissais le titre, mais c'est pas pour autant que je connaissais l'histoire. Et je trouve qu'en lisant la quatrième, ça spoile trop pour les personnes, notamment comme moi, qui n'y connaissais rien, et c'est un peu dommage. Alors certes, il y a plus de 1000 pages, non, il n'y a juste pas 1000 pages dans le tome 1, mais c'est pas une raison pour commencer à raconter trop. Donc voilà. Vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup, mais comme je dis, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler les personnes qui, comme moi, ne connaîtraient absolument rien à cette histoire. Donc ça, c'est mon objet de lecture. Ah oui, je vous ai pas montré où j'en suis, mais en tout cas, j'avance pas mal. Je suis à la page 717 sur 950. Donc il me reste un peu plus de 200 pages, donc j'avance petit à petit et franchement, je suis très contente. Je l'écoute en audio, principalement quand je prends ma voiture, pardon. Du coup, ça, ce sont mes 2 livres en cours, mes 2 livres du moment. Et c'est mon objet de lecture dont je voulais, enfin, c'est l'objet de lecture que je voulais vous faire. Et je m'arrête déjà ici parce que je n'ai pour l'instant rien d'autre à vous dire, mais a priori, je devrais recevoir 2 livres encore cette semaine. Et la semaine prochaine, mais du coup, ce sera peut-être dans le prochain vlog. Mais je ne sais pas encore trop. Je sais pas encore trop si ça arrivera la semaine prochaine. En fonction de quand c'est envoyé. Si c'est envoyé début de semaine, il y a une chance que je le reçoive fin de semaine. Mais si jamais c'est envoyé mi-fin de semaine, à mon avis, ce sera pour la semaine, encore d'après. Bref, tout ça pour dire que jusqu'à présent, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais évidemment, je vous garde près de moi et je vous reprendrai plus tard. Thank you.
vous reprends et on est vendredi fin d'après-midi et je vous reprends pour vous parler de plusieurs choses. Alors, premièrement, je vais vous faire un petit update lecture. Pour celui-ci, ça va aller très vite parce que j'ai pas avancé depuis que je vous en ai parlé. C'était hier, je pense, oui, hier. Donc, je suis toujours au même endroit dans ma lecture audio. Par contre, cette nuit, j'ai terminé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. J'ai terminé cette nuit parce que j'avais encore avancé hier soir et la nuit, je tire encore mon lait, je suis en train de sevrer tout ça, mais pour l'instant, je le tire encore et du coup, bah, j'ai continué à lire pendant que j'étais en train de tirer mon lait. Et quand j'ai fini, il était 3h du matin, je crois. Et je ne pouvais plus m'arrêter. Il me restait une heure de lecture. Je le lisais sur ma liseuse. Donc, je voyais qu'il me restait encore une heure. Mais j'étais à fond dedans. Et je devais absolument... Enfin, je voulais absolument le terminer. Parce que déjà pendant tout le livre, il y a pas mal de rebondissements. Mais alors, le dernier tiers, c'est crescendo. Il y a plein de rebondissements, notamment des choses que j'ai pas du tout vu venir. Je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai clairement pas envie de vous spoiler, mais ce livre m'a surprise et vraiment j'ai été... je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai adoré cette histoire. Alors c'est pas un coup de cœur, mais franchement pour moi c'est une excellente lecture. J'ai hâte de lire la suite, même si je suis très curieuse de savoir ce qu'il va y avoir dans le tome 2, 3 et 4. On va continuer avec le tome 2 premièrement, mais franchement c'est une super lecture. C'est vraiment comme je vous le disais hier, un immense cluedo. Il y a plein d'indices, il y a plein de choses qui vont un peu dans tous les sens. Mais c'est super bien pensé, c'est super bien fait, c'est super bien... L'intrigue est incroyable. Et franchement, oui, vraiment, j'ai adoré cette lecture. Certains personnages sont ultra attachants, d'autres beaucoup moins, vous vous en doutez. Les thématiques abordées sont très, très, très importantes selon moi. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas refaire mon pitch par rapport à ça. Mais franchement, c'est une... Alors, je me doutais... Enfin, j'attendais une bonne lecture parce que je vous l'ai dit, hein, je ne l'ai pas mal vu passer sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il est très, très bien... les critiques sont très, très bonnes. Du coup, c'est toujours un petit peu quitte ou double, je trouve, parce que il faudrait pas, mais c'est vrai que quand j'entends tellement de bonnes critiques, j'ai toujours un peu de mal à ne pas avoir d'attente pour un livre qui a tellement de bonnes critiques. Et ici, ben, franchement, un régal. Un régal et je peux que vous le recommander si vous aimez tout ce qui est intrigue. Alors, oui, c'est ça, romance psychologique, j'allais dire. C'est pas vraiment un thriller pour moi ici. Mais donc oui, romance psychologique, mais avec une intrigue et une enquête pour meurtre. Donc franchement, top. Je suis trop contente et comme je disais, enfin comme je vous dis, j'ai pas réussi à le lâcher, donc ça veut tout dire. Donc voilà, ça c'est ma lecture papier terminée. Et du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Eh bien, je ne sais pas ce que ce sera. J'ai plusieurs possibilités. D'une part, j'ai celui-ci qui me tente bien et que je voudrais lire dans pas trop longtemps. C'est la parution de février qui est déjà sortie en librairie aux éditions Faubourg Marigny, La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox, qui avait également écrit le La danseuse du bal. Non, attendez. J'ai oublié... Il me semble qu'elle avait déjà écrit un autre roman déjà sorti aux éditions Faubourg Marigny. Attendez, je cherche l'info. La berceuse de quelque chose. Ouais.
J'ai pas le titre en tête et c'est trop loin, j'arrive pas à voir. Mais je vous mettrai comme toujours la couverture ici, comme ça vous visualisez. Roman qui est sorti l'année passée en janvier, c'était ma première, si je dis pas de bêtises, hein, c'était ma première et épreuve non corrigée, Faubourg Marigny, avec l'aventure des flamboyantes 2023 qui démarrait à ce moment-là, donc à ce moment-là pour moi en tout cas. Donc voilà, ça c'est une option. Il fait 430, non, 400 pages. Donc ça c'est une option. Et une autre, ben, c'est un autre livre, mais je ne sais pas lequel. J'entends ma petite chérie, ma petite louloute. Mais je ne la vois pas avec la couverture que j'ai mise là. C'était peut-être pas une très bonne idée de mettre cette couverture qui reste toujours là. Mais... Bref, je vais aller la voir juste après. Oui, donc voilà, vous en saurez plus dans les prochaines minutes. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Mais donc voilà. Sinon, j'ai commandé deux livres. Enfin, trois, mais deux romans, dont deux romans. Oui, ma puce. Bon, je vais quand même aller voir et je reviens. Elle est en train de s'endormir. Du coup, je vous disais oui que j'avais commandé trois livres, dont deux romans. Et je me suis pris le premier, un livre qu'on a énormément vu passer sur Instagram l'année passée. Je vais vous mettre la couverture du grand format ici, mais il vient de sortir en poche. Et il s'agit de Motus et cœur cousu de Léa Vollen, qui a d'ailleurs écrit un deuxième roman et qui est sorti tout récemment. Je pense que... Enfin, je suis sûre que ma copine Marie du compte leslectures.marie sur Instagram l'a lu parce qu'elle a la chance d'être lectrice, comment ça s'appelle, Archipel, les instants suspendus je pense, hein. Oui c'est ça, chez l'Archipel, les instants suspendus, bon, je vois pas l'info ici mais je crois que c'est ça, et du coup bah, elle a eu l'occasion de recevoir et de lire le nouveau Léa Vollen qu'elle a beaucoup aimé d'ailleurs, donc moi, j'ai décidé de démarrer avec son premier qui vient de sortir en poche, donc Motus et cœur cousu. Je vais enlever le bandeau, mais qu'est-ce qu'il est mis? Un roman délicat et sensible qui vous surprendra à coup sûr de Clarisse Sabar. Clarisse Sabar, c'est quand même pas n'importe qui. Du coup, voilà la couverture. Alors, c'est pas une moche couverture, mais je suis pas non plus méga méga fan. Et de mémoire, le grand format était dans les tons roses. Ah voilà, ici j'ai le nouveau. Dans mon sang, la grenade. Quand l'amitié apaise le sang qui bout. Donc ça c'est le nouveau. Mais j'essaierai de vous le mettre ici en grand, comme ça vous verrez mieux. Donc voilà, donc ça c'est un que je me suis pris. Motus et cœur cousu de Léa Vollen aux éditions Archipoche. Donc ça c'est un livre. Et alors ensuite je me suis fait totalement influencer par Estelle du compte Petite Lectrice, que j'adore regarder en vlog. Et d'ailleurs, je me suis refait depuis que je suis arrêtée, depuis que j'ai été arrêtée pendant ma grossesse, j'ai recommencé tous ces vlogs depuis le début. Et à chaque fois, je me fais la réflexion, si vous, en regardant mes vlogs, vous prenez autant de plaisir que moi, je prends plaisir à regarder ces vlogs, bah, franchement, j'ai tout gagné parce que je prends tellement de plaisir à regarder ces vlogs et je trouve qu'elles parlent tellement bien de lecture, de littérature, de ses livres, de tout ça, que c'est vraiment très très chouette à regarder. Et je me suis fait la réflexion cette semaine en me disant si les personnes qui regardent mes vlogs prennent autant de plaisir à regarder mes vidéos que moi je prends de plaisir à regarder les vidéos d'Estelle, bah c'est juste fabuleux. Donc voilà, après je sais pas du tout une question de, enfin je suis pas du tout en train de comparer ses vlogs, mes vlogs, etc. Mais je me suis fait la réflexion en disant waouh, enfin c'est trop chouette. Et donc voilà. Et alors le deuxième livre, oui, donc je me suis fait influencer clairement par Estelle qui parlait de ce livre dans son dernier vlog je pense, ou avant-dernier parce qu'on est vendredi, donc elle en a sorti un ce matin que j'ai pas encore regardé. C'est un livre de Céline Danjean, La fille de Cali, aux éditions Pocket, quand la haine d'une mère pousse à la folie. Elle a dit que c'était vraiment incroyable. Alors Céline Danjean, elle a écrit plusieurs livres, c'est la première fois que Estelle découvrait cette autrice. Et notamment parce que cette autrice vient de publier un nouveau roman. Et Estelle a été à un événement suite à cette nouvelle parution.
Et du coup, elle voulait quand même un petit peu avoir lu l'un ou l'autre livre de l'autrice. Bon, elle n'avait pas terminé, je crois, quand elle l'a rencontrée, mais en tout cas, elle avait déjà avancé, elle avait déjà découvert sa plume, etc. Et elle a adoré. Et du coup, je me suis dit, ben, elle en parle tellement bien que ça me donne vraiment envie de le faire. Et je pense qu'il y a une partie qui se passe en Inde aussi, si j'ai bien compris. Et du coup, c'est vrai que l'Inde, moi, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup. J'ai eu la chance de partir là-bas pour mes 15 ans. Depuis, c'est vraiment un pays qui j'ai pas envie de dire qui me passionne parce que ça, c'est pas vrai, mais qui m'intéresse et qui m'interpelle aussi beaucoup, notamment au niveau de la culture, notamment au niveau de l'architecture. C'est vrai que le Taj Mahal, c'est quand même assez impressionnant à voir. Et du coup, si j'ai bien compris, il y a une partie qui se passe en Inde, ou en tout cas, on parle de l'Inde dans ce roman, mais je vois pas. Non, ici dans la quatrième, on n'en parle pas, mais il me semble vraiment qu'on parle d'Inde. Et quand bien même, si jamais il n'y a pas l'Inde, c'est pas grave, mais il me semble bien. Donc voilà, par contre, il est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Il fait 710 pages. Donc, on verra un petit peu quand je le lis. D'un côté, j'ai envie vraiment de le lire bientôt. D'un autre côté, j'avoue que lire maintenant, enfin, dans ma situation actuelle avec un nouveau-né 700 pages, c'est pas le truc qui me. C'est pas que ça me tente pas, mais c'est que j'ai pas envie de passer 3 semaines sur le même livre, quoi. Déjà, en plus, je me suis lancée dans cette immense brique. Et là, ça fait plus de 3 semaines, je crois, que j'y suis. Celui-ci, j'ai pris presque 2 semaines, je pense, pour le lire, il me semble. J'ai un peu la notion du temps. Donc voilà, je vais pas m'y mettre tout de suite, mais je vais le garder précieusement. Par contre, je crois que ma petite louloute a perdu sa tute et vu qu'elle est en train de s'endormir, je reviens tout de suite. Et du coup, ça, ce sont les deux livres que je me suis achetés, enfin les deux romans sur les trois livres que je me suis achetés. Et alors, le troisième livre que j'ai pris, ça m'a été recommandé par une copine et en fait, je l'avais mis dans mon panier. Et c'est vrai qu'en validant ma commande, j'avais plus vu qu'il était là. Bah, ça fait rien, je comptais un jour l'acheter, mais c'est vrai que je l'ai acheté du coup un peu plus vite que prévu. Et j'ai pris Mon cerveau est hyper, de Cathy Assenheim, Haut potentiel et hypersensibilité, anxiété, rumination mentale, émotivité, fatigue, burn-out, reprenez le contrôle, et c'est aux éditions DDS. Donc voilà. Vous l'entendez, j'en sais pas beaucoup plus sur ce livre, c'est juste ma copine qui m'en a parlé de vive voix et elle me le recommandait. Mais elle l'avait pas encore lu, je sais même pas si elle l'avait déjà acheté, mais elle l'avait pas encore lu. Mais en tout cas, quand on a été voir les critiques, etc., les critiques étaient extraordinaires. Et du coup, enfin, extraordinaire. C'était très bonne en tout cas. Et du coup, ça m'a bien donné envie, surtout qu'il est pas très long, pas très grand. 185 pages. Mais donc je suis assez curieuse. Vous l'entendez, ma petite louloute se réveille, elle n'est pas du tout en train de dormir comme je pensais. Ça ne fait rien, mais du coup je vais quand même aller m'occuper d'elle. Je vous reprendrai probablement demain parce que j'ai encore des choses à vous dire, notamment vous parler de ma bibliothèque. Vous voyez d'ailleurs là, il y a plein de livres parce que je suis en train d'un petit peu réorganiser tout ça, vendre certains livres, etc. Mais je vous en parlerai plus longuement et plus calmement, probablement demain ou dimanche. Je m'arrête ici pour l'instant et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est dimanche après-midi. Alors j'ai une petite mine aujourd'hui, enfin depuis cet après-midi parce que, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très intéressant, mais en gros je pense que je commence une mastite. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est les seins qui s'engorgent parce que j'arrive petit à petit à la fin de mon allaitement. Enfin je voudrais commencer à tirer de moins en moins parce qu'on démarre avec le lait artificiel, enfin mixte, avec le lait artificiel pour Sophie. Et du coup, le problème, c'est que je tire moins mon lait et donc mes seins sont en train de s'engorger. Et en fait, les symptômes, c'est classique, une petite grippe. Bon, mal au sein, parce qu'il n'y a pas la grippe, mais le reste, c'est mal à la tête, état général faible, froid, d'où le petit pull en mousse que j'ai rajouté. Mais donc voilà, petite mine, mais j'avais quand même envie de vous prendre parce que hier, j'ai démarré le gros rangement de ma bibliothèque. Je vous le mettrai juste après. Donc pour vous, il y aura. Enfin, vous n'allez pas vraiment réaliser parce qu'en soi, voilà, mais les vidéos que je vous mets juste après ont été filmées samedi, donc hier. Et je voulais continuer et terminer aujourd'hui, mais je pense que ça va être un peu.
un peu chaud, mais c'est pas grave, je le ferai demain à mon aise, probablement, ou mardi, enfin bref, quand j'aurai un peu plus de force. Du coup, pourquoi gros rangement dans ma bibliothèque? Parce que vous l'avez peut-être vu passer, je vais essayer de vous poser comme ça sur mes genoux, pour pas devoir tout porter, voilà. Si vous entendez des petits bruits d'ailleurs, c'est Sophie qui est juste à côté de moi et qui est en train de jouer avec sur son tapis de jeu avec mon ami un arche comme ça. Enfin, c'est un tapis avec un arche et il y a des trucs qui pendent et du coup, elle arrive à les faire bouger avec ses mains et ses pieds. Donc voilà, bref. Je disais oui, pourquoi gros rangement dans ma bibliothèque? Parce que il y a maintenant 3 jours, je pense, en pleine nuit, je tirais mon lait. Et enfin oui, je me suis réveillée pour tirer mon lait, et puis j'ai lu notamment Un automne pour te pardonner. Et quand j'ai terminé ma lecture, eh bien, je n'ai pas réussi à m'endormir tout de suite parce que cette lecture, je vous en ai déjà parlé, il me semble, oui, m'a vraiment pas bouleversée, mais cette fin m'a vraiment oui tenue réveillée et j'étais vraiment en haleine à la fin, enfin façon de parler, mais à la fin du livre, c'était vraiment rebondissement. Non-stop et j'ai vraiment été très très prise par cette histoire, donc j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir et du coup j'ai commencé à réfléchir, etc. Et en fait ce livre, je le lisais sur ma liseuse parce que je lis notamment pendant la nuit vu que je tire mon lait depuis la naissance de Sophie et j'étais en train de réfléchir pour le tome 2 du coup. Et je me disais pas que j'allais l'acheter sur liseuse parce que pour l'instant vraiment je lis, je dirais, 90% du temps sur liseuse. Ça fait longtemps, en tout cas, que j'ai plus pris un livre papier en main pour le lire. Et donc, je réfléchissais, je visualisais ma bibliothèque et je me disais, mais enfin, en fait, j'ai quelques livres, enfin, beaucoup de livres, plusieurs livres, disons, où j'ai le format papier et le format liseuse. Alors, en soi, c'est pas un problème en soi, mais c'est vrai que quand on y pense, bah, les livres lus dans ma bibliothèque, alors ça fait très joli dans la bibliothèque, mais c'est vrai que je suis, oui j'ai pas mis le contexte, mais je suis en pleine phase mentalement, j'ai pas encore vraiment commencé concrètement, mais mentalement, enfin oui j'ai commencé hier avec ma bibliothèque, mais mentalement je recommence une phase de désencombrement, le but c'est de passer à l'action, pour ça qu'aujourd'hui je voulais être active et demain je voulais faire mon dressing notamment, qui doit être absolument rangé et surtout désencombré. Ranger, trier et désencombrer, c'est 3 choses différentes. Et du coup, désencombrer, le but, c'est vraiment de faire sortir les choses de sa maison et d'avoir moins d'objets. Et du coup, vu que ça fait un moment, enfin plusieurs semaines maintenant que je suis dans mentalement, comme j'ai dit, je ne suis pas encore passée à l'action concrètement, mais mentalement, je suis dans cette phase où j'ai envie de redésencombrer ma maison, en tout cas des spots assez spécifiques, notamment... Oui, ma puce, t'y joues ? T'y joues ? Notamment mon bureau, donc une partie de ma bibliothèque et mon dressing. Ça, c'est les points, les gros points. Et en fait, dans cette mentalité, j'ai commencé à réfléchir à ma bibliothèque. Je me suis dit, mais en fait, j'ai plein de livres que j'ai adorés. La plupart, j'ai vraiment aimé mes livres. Mais à quoi bon? Alors, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et c'est OK. Mais, enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, c'est avec grand plaisir qu'on discute. Mais s'il vous plaît, de manière bienveillante, parce que chacun son avis, et il n'y a pas une bonne manière de faire, c'est chacun fait comme il pense, et je comprends les personnes qui veulent garder tous leurs livres, etc. J'étais encore comme ça il y a quelques jours, j'étais en mode, non mais j'aurais jamais pu me séparer de mes livres, etc. Mais du coup, voilà, chacun sa mentalité, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Je comprends les personnes qui ne me comprendront pas. Mais voilà, juste s'il vous plaît, restez bienveillants par rapport à ça, parce que mon but, c'est pas de créer un débat malveillant. Ça, c'est vraiment pas mon but. Ou essayer de me convaincre de pas faire ce que je suis en train de faire, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Donc, s'il vous plaît, restez bienveillants. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec ma copine Cécilia sur Instagram où elle me disait « Mais Marie, qu'est-ce que tu fais? Je pourrais jamais vendre mes livres. » Et c'est ce que je lui ai dit. Je comprends tout à fait. Et voilà, je suis arrivée dans cette mentalité où je me dis « Mais en fait, à quoi bon garder tous ces livres? Je commence doucement à avoir plus de place. Alors, j'achète beaucoup trop de livres, je suis d'accord. » Mais du coup, cette mentalité de désencombrement est petit à petit en train de faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête.
Et j'avais envie de désencombrer ma bibliothèque. Et du coup, j'ai démarré avec les livres lus. Parce que certains diront, mais pourquoi t'as pas commencé avec les livres non lus que tu sais que tu liras pas? Alors, je compte faire un petit tri dans ma bibliothèque. Mais j'avoue que c'est plus facile pour moi, aujourd'hui en tout cas, de me séparer de mes livres lus. Parce que je considère que les histoires, en fait, sont dans ma tête, même les histoires que j'ai beaucoup aimées. Alors, il y a quelques livres, je vous rassure, j'ai pas tout vendu non plus. Enfin, je vais pas tout vendre ou donner non plus. Je vais pas me séparer de tous mes livres, mais une bonne partie, parce que je considère que même si l'histoire m'a touchée, en soi, elle est encore dans ma tête et je m'en souviendrai. Et pour moi, c'est ça le plus important finalement. C'est pas de garder le livre physiquement dans ma bibliothèque, c'est vraiment me souvenir de l'histoire en tant que telle. Alors comme je dis, il y a des livres qui m'ont trop marqué, et j'en parlais avec Cécilia lors de notre conversation, notamment la duologie de le manuscrit de Birkenau, ça c'est le tome 2, Le magicien d'Auschwitz, ça c'est le tome 1, écrit par Gir Dos Santos. Je vais pas les vendre. De base, je les avais mis en vente et puis en fait, je les ai enlevés parce que cette duologie, c'est les deux livres qui m'ont le plus marqué dans ma vie de lectrice jusqu'à présent. Mais du coup, voilà, ils ont une saveur particulière. Mais par contre, des livres que j'ai adorés, notamment de Virginie Grimaldi, je me suis dit, mais en fait, à quoi bon les garder? Je pense pas que je les relirai. Et quand bien même, si un jour j'ai envie de les relire, bah, j'ai toujours l'option Kindle liseuse. Moi, je suis sur Kindle, mais en tout cas liseuse. Elle est en train de jouer, elle est trop mignonne. Oui, ma puce. Elle fait des petits bruits, de plus en plus, ces petits bruits de chat. Enfin, de plus en plus, non, c'est toujours les mêmes petits bruits depuis sa naissance, qui évolue un petit peu, évidemment, parce qu'elle grandit. Mais c'est le typique de bruit entre contente et c'est pas si elle veut pleurer. Enfin, bref. Du coup, je disais quoi? Oui, j'essaye, j'espère. J'espère que je suis pas sur le micro. Mais du coup, oui, je disais, quand bien même, si vraiment un jour j'ai envie de les relire, bah, je pourrais toujours me débrouiller, soit le demander à prêter à quelqu'un, soit sur ma liseuse ou autre. Mais donc voilà, ça c'est mon gros trip. Je sais pas comment l'appeler, c'est pas un challenge, mon gros défi. Bon, c'est pas un défi. Et mon gros trip du moment, c'est désencombrer ma bibliothèque. Et du coup, vous pouvez retrouver les livres que je mets en vente d'occasion, du coup, sur l'application. De base, je voulais passer par Vinted, mais l'une d'entre vous sur Instagram m'a recommandé Book Village. Et c'est le même style que Vinted, mais c'est spécialisé pour les livres. C'est super bien fait. Alors, j'ai pas encore assez d'expérience sur l'application pour vous faire un retour complet. Mais en tout cas, jusqu'à présent, en tant que vendeur, faire la liste de tous les livres qu'on lit, c'est super facile. Il suffit de scanner l'ISBN, donc le code barre du livre, mettre son état, s'il est très bon état, moyen ou usé, le prix qu'on veut, et puis le mettre dans la liste. Alors la seule chose, évidemment, et ça, je peux comprendre, certains sont un peu réticents, c'est qu'on n'a pas la photo du livre. Par contre, cependant, on peut aller discuter avec le vendeur et je sais pas si on peut, le vendeur peut envoyer des photos. J'imagine que oui. Mais en tout cas, on peut discuter ensemble de l'état du livre, etc. Donc, c'est vraiment le même principe que Vinted, mais spécialisé pour les livres. Et comme je dis, pour l'instant, ça fonctionne super bien. J'ai déjà eu quelques achats et moi, maintenant, il me reste juste à préparer bien sûr le colis, imprimer le papier mondial relais pour les envoyer et aller les déposer dans un dépôt mondial relais, donc enfin dans un point relais. Donc franchement, jusqu'à présent, très bonne expérience avec l'application. Comme je dis, j'utilise ça depuis trois jours et j'ai même pas encore fait envoyer des colis. Donc je reviendrai si ça vous intéresse plus tard avec un retour et un témoignage plus complet par rapport à l'utilisation de cette application. Mais en tout cas, j'essaierai de penser à mettre ici le nom de l'application parce que vous pouvez vous aller voir si ça vous intéresse. Et alors moi, mon nom, c'est Lecture de Marie, espace point. J'étais obligée de mettre de base, j'avais mis mon prénom, mon nom de famille, mais en fait, j'ai réalisé que c'était le nom de profil. Du coup, j'ai changé après et j'ai mis Lecture de Marie en prénom et je devais absolument mettre un nom de famille, donc j'ai mis un point. Donc voilà, mais en tout cas, ma photo sur Book Village est la même que sur Instagram et YouTube. Donc, si vous me suivez par ici, à mon avis, vous me retrouverez facilement sur
Book Village. Et peut-être, je vais essayer d'y penser, de mettre le lien. De mettre le lien pour me retrouver sur l'application. Dans... Comment ça s'appelle? La barre d'infos sur YouTube ici. Comme ça, vous aurez toutes les infos et ce sera peut-être plus facile pour vous de me retrouver. Donc, voilà un petit peu ma mentalité. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir derrière moi. Non, pas bien. Mais là, il y a des livres. Là, il y a des livres. Il y a des livres un peu partout. Alors, ceux-là, c'est ceux que je garde ou que j'ai mis de côté pour des copines. Mais voilà, c'est en train de s'organiser et de désencombrer. Et j'avoue que personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les commentaires malveillants, non merci. Mais par contre, comme je dis, n'hésitez pas à venir me discuter en disant... Enfin, il n'y a aucun souci que vous me dites... que vous me disiez, que vous ne comprenez pas du tout comment je suis capable de faire ça, mais de manière bienveillante, parce que c'est le but de cette chaîne, et voilà. Mais du coup, oui, je vous disais au tout début de vous prendre ici que j'avais démarré hier, du coup, et je vais vous mettre juste après, j'ai filmé en accéléré, parce que quelqu'un m'avait demandé sur Instagram, parce que je vous ai parlé de tout ça sur Instagram, et quelqu'un, je pense que c'est Odyssée ou Odissa, Odyssea. Ah, j'ai oublié son pseudo. Qui me disait que elle adorait voir le tri, rangement, désencombrement des bibliothèques des gens en vidéo, et du coup elle m'a demandé si c'était possible de filmer, et c'était avec grand plaisir, c'était même une très très bonne idée, et donc j'ai filmé une partie et je vous mettrai ça juste après, mais comme je dis, la première partie a été filmée hier, du coup, vu que j'ai démarré hier, mais j'ai pas eu l'occasion de vous prendre comme ça avant de faire le tri de ma bibliothèque, et j'avais le temps de faire mon tri, donc j'ai fait les choses dans le désordre, mais c'est pas grave, pour vous ça change pas grand chose. Donc voilà un petit peu l'explication de la timeline de cette suite et fin probablement de vlog, mais je verrai quand est-ce que j'arrête ce vlog. Donc voilà l'explication de long en large. On verra, peut-être que je vais regretter, mais là je regrette pas du tout, et je suis, comme je dis, vraiment dans cette mentalité. Enfin, ma mentalité a switché par rapport à ces livres lus. Et du coup, c'est avec grand plaisir que je les vends. Et même quand je vois les commentaires des gens qui achètent mes livres en disant « Ah, je suis trop contente de t'acheter tes livres. En plus, celui-là me faisait bien envie, etc. » En fait, c'est que du bonheur. Et moi, ça va me faire de la place dans ma bibliothèque. Par contre, j'ai vraiment réalisé que j'avais... Enfin, j'avais pas besoin de ça pour réaliser. Mais c'est vrai qu'à force de déplacer tous mes livres, j'ai réalisé que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Je sais pas comment ça va évoluer. Parce que du coup, évidemment, ma mentalité va plus loin. Est-ce que... Alors, je vais continuer à acheter des livres papier. Ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que je vais vraiment acheter tous les livres que je lis en papier? Ça, je suis pas certaine. Je suis pas sûre, parce que comme je dis, je lis de plus en plus sur liseuse. Je vais pas arrêter d'acheter des livres papier, ça c'est no way, j'adore trop aller en librairie, ça me fait trop plaisir, mais je vais peut-être voir un petit peu si certains livres sont vraiment nécessaires pour moi de les avoir, enfin si c'est vraiment nécessaire pour moi de les avoir en papier. Donc voilà. Alors par contre, pour info, il y a 3 collections auxquelles je ne touche absolument pas. Vous allez peut-être deviner, mais il s'agit de mes Charleston, de mes livres de la maison d'édition Hurlevent et de la maison d'édition Faubourg Marigny. Alors, je regarde par là parce qu'ils sont juste là. Mais ceux-là, évidemment, j'y touche pas, parce que je considère que ces maisons d'édition-là, c'est plus que des livres, en fait. C'est toute une collection. Je pense que les personnes qui gardent tous leurs livres, c'est comme ça, je pense, hein, je peux me tromper, mais... C'est comme ça qu'elle le voit, en fait. C'est pas juste des livres ou c'est pas juste un livre. C'est vraiment toute une collection, ça a toute une histoire. Et du coup, je peux comprendre vraiment que ce soit inenvisageable, ou en tout cas, c'est pas ce que vous avez envie de faire. Parce que, comme je dis, oui, c'est pas juste un livre, c'est toute une collection. Et c'est ce qui se passe avec mes Faubourg Marigny, mes Charleston et mes éditions Hurlevent. C'est trop beau et ça donne trop bien. Et voilà. Donc voilà un petit peu mon explication. J'ai pas d'update de lecture à vous faire, parce que j'ai pas repris encore de lecture depuis que je vous ai pris hier ou avant-hier. Je sais plus quand est-ce que je suis venue vous parler. Mais du coup, je réfléchis un petit peu. Hier soir,
lu 3 pages et puis je me suis endormie. Du nouveau Faubourg Marigny qui est sorti en mi-février, le 15 il me semble, ou le 14 février. Mais du coup, je vais un petit peu voir si c'est vraiment dans cette ambiance-là que j'ai envie de me plonger ou pas. Bref. Du coup, je vais m'arrêter ici. Je vais regarder un vlog d'Estelle parce que je suis fatiguée. Et comme je vous disais, mon état général est plus faible que d'habitude, je vais dire. J'ai rien prévu ce soir. Nico n'est pas là. Il est parti hier matin pour 4 jours avec ses collègues. Donc, je suis maman solo ce week-end, mais pas tout à fait solo. Ma maman est venue m'aider hier. Enfin, m'aider, me tenir compagnie et m'aider à m'occuper de Sophie. C'est aussi pour ça que j'ai pu faire ma bibliothèque de manière tout à fait sereine parce que ma maman était là pour regarder Sophie à ce moment-là, même si en soi pendant ses siestes c'est pas très très grave, mais enfin je peux le faire pendant ses siestes, surtout qu'elle est de plus en plus régulière au niveau de ses siestes. Mais c'est vrai que j'en ai profité que ma maman était là pour faire cette première étape de ma bibliothèque. Et ce matin slash midi, ma cousine est venue bruncher. Donc j'étais pas seule non plus, et puis cet après-midi, ben là j'étais plus seule, j'étais seule avec Sophie, mais elle a fait une bonne sieste qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai un peu cuisiné, j'ai un dîner normalement à la maison demain soir. J'espère que mon état va un peu s'améliorer. J'ai pas envie d'annuler, mais bon voilà, on verra demain. Et du coup là je voudrais me poser et Sophie joue tranquillement et à mon avis elle va se rendormir pour une petite sieste avant son bibi de, je sais pas quelle heure il est, mais de 18h. Donc voilà, bref, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Du coup, je vous filme ma bibliothèque actuelle. Donc ça, je suis à l'étage sur le palier. Bon, il y a le berceau de Sophie qui doit être rangé parce que maintenant, elle est dans sa chambre. Du coup, là, c'est vide parce que c'est les deux étagères, enfin les deux planches que j'ai vidées pour vendre mes livres lus grand format, enfin mes livres grand format qui ont été lus. Et donc, comment ça fonctionne pour l'instant, en tout cas? Là, j'ai mis tous mes livres sur 3 planches grand format qui n'ont pas encore été lus. Là, on continue. Là, ce sont tout ce qui est graphique, BD, enfin roman graphique, BD, etc. Là, il y a mes Gallimard. Là, ce sont mes romans grand format lus que j'ai gardés. Et là, j'ai mis aussi ceux que j'ai gardés. Donc, à mon avis, ceux-là, je vais les passer ici. Là, c'est un peu du brawl, d'ailleurs. Je vais ranger. C'est tout ce qui est guide touristique, etc., magazine. Et je crois qu'il y a 2 BD à Nico. Et là, on voit un tout petit peu, ce sont les mangas principalement de Nico. Enfin, même pas, c'est à son frère. Mais donc là, on a mis tout ce qui est manga. Donc ça, c'est une bibliothèque actuelle. Mais je ne sais pas encore trop comment je vais faire parce que de base, j'aurais voulu mettre mes livres non lus tout ici. Mais j'aurais jamais la place de mettre mes livres poche ici. Et éventuellement là aussi. Mais je crois que ça ne rentrera jamais parce que pour l'instant, ils sont dans mon bureau. Et même, j'ai aussi envie de garder quelques livres dans mon bureau. En fait, ici, alors c'est pas du tout un problème, hein, mais les bibliothèques, il y en a plusieurs. Il y en a une en bas que je vous montrerai après, mais celle-là va pas bouger. J'ai mis tous mes, dans, c'est dans le salon, j'ai mis tous mes Charleston, mes Hurlevent et Faubourg Marigny. Donc ça reste là. Ça, je vends rien. ici, ça, ce sont actuellement tous mes grands formats. Et donc, de base, j'avais mis non lu, lu. Mais vu que j'ai quand même pas mal vendu de lu, enfin, en tout cas, c'est mon but, j'ai quand même libéré un petit peu d'espace. Et je vais vous montrer tout de suite dans mon bureau les poches. Et du coup, dans mon bureau, pour l'instant, ça donne ça. Donc, c'est un peu le fouillis. Donc là, vous voyez, ça, c'est toute ma bibliothèque poche non lu. Et alors ici, c'est un petit peu un mélange. Au-dessus, les deux planches du dessus, ce sont ceux que j'ai lus, les poches lues. Alors il y a des trous, c'est normal, c'est les livres de poche que j'ai enlevés pour les vendre, que j'ai mis sur l'application Book Village hier. Ça, ce sont mes épreuves non corrigées de Faubourg Marigny. Ensuite, j'ai du développement personnel en plein milieu. Là, j'ai mis mes marque-pages. Là, j'arrive du côté Cozy Mystery, et donc notamment avec Anna Svensson, rendez-vous avec le danger, enfin le crime, c'est ça le premier, etc. Là, j'ai mes romans Nami,
ici et ici. Donc c'est un peu... J'ai mis mes très beaux livres de Anne de Green Gables. Et là, j'avais rassemblé les livres que je comptais lire pour le challenge 12 mois, 12 livres de 2023, mais que je n'ai pas encore terminé. Donc ça aussi, je ne sais pas très bien si je vais les remettre à leur place ou si je les laisse là pour que je puisse les lire, même si en soi, on est en 2024, donc ça ne fait pas trop sens. Je pense que je vais faire une photo de ces livres-là pour garder bien la liste et après, je vais les remettre à leur place. Et alors, il me reste ici, ça c'est un peu cafouillis, notamment le tome 9 que j'avais acheté pour offrir à ma copine Chloé pour son calendrier de l'Avent des aventures d'Anna Svensson, mais elle l'avait acheté entre temps, donc je vais le faire gagner en concours, je pense, ou peut-être que je vais le vendre, en fait, je peux le vendre aussi. J'ai un roman de Karine Pitocchi, mais celui-là, je voudrais vous le faire gagner en concours à Noël prochain. Parce que je l'ai deux fois. Je l'ai reçu et même chose, je l'avais acheté pour ma copine Chloé, mais elle l'avait acheté entre temps avant son calendrier de l'Avent. Et celui-là, que c'est quoi ? Un cœur pour Noël de Sophie Jomin. C'était le calendrier de l'Avent, mais que j'ai pas eu l'occasion de faire, vu que ma petite Sophie est née le 2 décembre et du coup, bah, j'avais autre chose à faire que lire ce calendrier de l'Avent livresque. Mais je trouve l'idée géniale et du coup, bah, je me suis tout simplement gardée pour l'année prochaine. Et ensuite, j'ai deux romans de Cherche Midi, de la saga, comment ça s'appelle encore, je ne sais plus, mais les deux premiers tomes, c'est Isis et Tesset et le Crime Orient, un truc comme ça. Oui, c'est ça, le Crime du SS Orient. C'est la nouvelle saga du Cherche Midi qui sort, un cozy mystery lié avec Agatha Christie. Donc voilà un petit peu le topo, mais comme vous voyez, c'est un petit peu... Alors là, c'est des livres qui non lus que je viens d'acheter ou recevoir. Oui, les quatre premiers, c'est ceux que j'ai reçus des copines du book club. Et puis là, c'est ceux que j'ai notamment achetés très récemment. Ça, c'est aussi ceux que j'ai achetés. Enfin bref, donc je vais encore un petit peu ranger. Mais la question, évidemment, comme toujours, c'est comment est-ce que je vais ranger mes livres. Là, il y a mes Outlander, mais qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Je vais voir un petit peu ce que j'en fais. Parce que comme je dis, d'un côté, j'ai envie de les garder parce que ce sont des chouettes souvenirs. Mais après, pour être honnête, les souvenirs, finalement, c'est les histoires que j'ai lues. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de garder les livres papier, enfin tous les livres papier, pour garder les souvenirs des livres, enfin des histoires que j'ai lues. Après, les sagas, c'est vrai que c'est gai, ne fût-ce que pour les photos Insta, de les garder pour pouvoir... les garder et voir le prolongement complet de la saga. Ici, par exemple, mais Anna Svensson, je compte pas du tout les vendre. En tout cas, pas maintenant, du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais du coup, je me pose un petit peu la question comment m'organiser. Parce que ma mentalité encore est un peu en train de changer. Après, je sais qu'elle risque d'évoluer, hein, clairement. C'est juste que là, sur un coup de tête, en une nuit, enfin, en pleine nuit, je me suis dit, mais en fait... j'ai beaucoup trop. Alors oui, j'ai beaucoup trop. Mais d'un côté, j'adore. Franchement, je regarde ma bibliothèque. Là, je suis en pleine joie. Enfin, je suis en pleine réflexion. Mais je suis vraiment heureuse de regarder tous ces livres que j'ai encore à lire, etc. Mais c'est vrai que garder tous mes livres lus, ça fait beaucoup moins de sens aujourd'hui pour moi. Donc voilà, je ne sais pas du tout encore trop comment je vais fonctionner d'ailleurs au niveau des achats des livres, comme je vous expliquais. Mais est-ce que je continue à acheter tous mes livres en papier alors que je lis de plus en plus sur ma liseuse au niveau practicité? Vraiment, je lis presque 80% du temps sur ma liseuse. Après, avoir le livre papier, l'objet livre, ça me procure tellement de plaisir que je ne vais clairement pas arrêter. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, l'idée, c'est de ranger les trois bibliothèques. Donc, celle-ci... celle-là et celle que je vous ai montrée dans le couloir. Et là, vous voyez que c'est aussi le fouillis. Je dois un peu ranger. Mais en tout cas, je voudrais désencombrer ma bibliothèque. Et je vais voir comment je vais faire. Bon, du coup, mon idée, on verra si ça va fonctionner ou pas. Ce serait de mettre tous mes poches, pas l'Outlander, c'est différent. Tous mes poches non lues dans cette bibliothèque-là, que je voudrais un jour repeindre en blanc d'ailleurs. Tout ça je vais enlever pour l'instant. Là-dedans, je vais mettre mes livres de développement personnel
et mes Cozy Mysteries, je pense, parce que ça rentre dans les carrés sans souci. Et comme ça, ça me permettrait que quand j'achète un pot, je ne doive pas à chaque fois, vous voyez, vu que c'est pas... Enfin, si, c'est large ça, mais c'est vite stoppé. Alors que ici, c'est quand même plus facile de changer un livre de planche, quoi. Donc, je pense que je vais faire comme ça, mettre tous mes livres, et en plus, c'est pas trop haut. L'espace entre les étagères ici, c'est pas trop haut. Du coup, je vais faire ça. Je pense que ça rentrera. Et alors, je crois que je vais un petit peu modifier cette bibliothèque-ci. Et il y aura un peu plus de, pas de volume, mais d'irrégularité. Mais du coup, ça va peut-être donner moins structuré, mais peut-être un peu plus vivant, du coup. Enfin, vivant. Ça va faire un changement, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc ça c'est mon idée parce que j'ai réfléchi, je suis retournée voir, mais mettre tous mes livres non, mes livres de poche non lus là-bas où je vous ai montré le trou, ça rentrera jamais, il faut pas se leurrer. Donc voilà, peut-être que je vais mettre mes Cozy Mysteries là-bas. Ça c'est une idée pour remplir, pas que je dois remplir tous les trous, mais en tout cas un minimum quand même pour pas que ça fasse vide. Mais j'ai pas trop peur, je pense pas que ça fera trop vide, en tout cas j'ai de quoi remplir. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Donc dans un premier temps, je vais vider toute cette bibliothèque et puis je vais remplir avec cela. Je pense que c'est ça mon idée. C'est parti. Première et deuxième étape done, j'ai vidé cette bibliothèque là, j'ai mis tout ça ici. Alors là ce sont mes livres de français et là c'est du développement personnel, je vous ai pas montré ça tout à l'heure. Et du coup ici j'ai mis tous mes livres qui étaient ici. Du coup bah, quand elle était vide j'ai pu vider celle-ci et mettre là. Et alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais, donc il me reste encore une planche et j'ai laissé un peu trop parce que je vais compléter avec tous les livres que j'ai reçus depuis depuis décembre je dirais, que je n'avais pas encore pris le temps de ranger. Donc je fais ça maintenant. Alors, ça, je ne sais pas trop encore si je vais les garder, mais qui dit désencombrement dit qu'on enlève un maximum de choses. Donc, je pense que je vais les jeter. Je vais d'abord réfléchir, pas me précipiter. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai re-rempli toute ma bibliothèque. Alors, j'ai laissé quelques espaces de un livre ou autre. Et j'ai encore 3-4 livres, je crois, poche, qui doivent y aller dedans. Enfin, y aller. Enfin, aller dans ces bibliothèques, mon français. J'en perds mon français. Donc, je suis assez contente du résultat. Franchement, ça donne très, très, très bien. Et du coup, la structure qui était ici est là, évidemment. Même si la porte doit être poncée et peinte en blanc. On est en train de faire les portes, mais bon, une chose à la fois et une porte à la fois. Comme on dit, on a commencé par les chambres. Et à terme, je voudrais éventuellement peindre ces bibliothèques en blanc également. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Il faut tout poncer, il faut tout nettoyer et tout peindre. Donc voilà, non, je suis assez contente du résultat. Et alors ici, je vais re-remplir avec notamment des livres, des livres de développement personnel certainement, qui sont juste ici. Voilà. Des beaux livres aussi sûrement. Voilà, je sais pas encore trop où est-ce que je vais mettre les livres poche lus.
On verra un peu. Mais Cozy Mystery, je pense que je vais les mettre là-bas dans la grande bibliothèque avec les grands formats. Enfin, les deux planches là qui avaient trop. Donc voilà. Là où j'en suis aujourd'hui. Mais je m'arrête ici parce que je vais aller cuisiner. Mes parents viennent manger ce soir. Enfin, ma maman est déjà là. Mais je vais aller cuisiner avec ma maman. Et mon papa va pas tarder à arriver. Mais du coup, je m'arrête ici et je suis assez contente pour le moment. Je vous reprends et on est lundi matin, enfin fin de matinée, on est lundi midi je crois, il est midi 37. Et ben c'est parti, je vais attaquer cette bibliothèque-là, enfin remplir cette bibliothèque-là avec mes livres principalement de développement personnel. Et évidemment il y aura d'autres choses probablement, notamment mes beaux livres je pense. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, mais c'est parti. Bon, du coup, ça y est, j'ai fini. Alors, j'ai ma bibliothèque qui est remplie. Il n'y a plus aucun livre qui rentre. J'ai mis des livres comme ça, de temps en temps. J'ai essayé de faire une fois à droite, une fois rien, une fois à gauche, rien, une fois à droite. Mais c'est vrai que la dernière, j'ai pas eu le choix. Mais c'est pas grave, ça va encore bouger. Et alors, il y a deux livres que j'ai pas su mettre, notamment Très à table et ici un autre livre. Mais je suis ravie du résultat et ça montre une fois de plus à quel point j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres de poche. Mais comme je dis, ça me procure beaucoup de plaisir, donc c'est avec grand, grand plaisir. Mais je vais voir dans les prochaines semaines, prochains mois, comment je vais m'organiser au niveau des achats des livres. Et alors ici, j'ai mis, donc là j'ai mis ma collection de Anne de Green Gables. Là c'est les Outlander, ils n'ont pas bougé. Là c'est ma collection des éditions Nami. Et tout ici, c'est le développement personnel. Donc j'avais ça ici avant. Là c'est mes livres de français. Là c'est mes ENC Faubourg Marigny. Et du coup là je les ai mis juste comme ça. Je vais un petit peu... Là, c'est le bordel. Et je vais ranger tout ça. Donc là, je les ai juste mis comme ça. Je les ai transférés soit de là à là, soit de là à là. Mais je ne sais pas encore. Est-ce que je vais faire plutôt par thématique, plutôt par taille de livre, etc. Par maison d'édition. Parce que là, il y a plusieurs... Il y a Pocket, il y a cette maison d'édition-là. Donc à voir un petit peu, mais ça va évoluer de toute façon avec le temps et ça va encore un peu bouger, mais le gros est fait et je suis ravie. Alors j'ai encore mis des livres ici sur le côté, des Faubourg Marigny qui doivent aller en bas, ça c'est lu, donc ça doit aller dans mes poches lues, ça c'est pas lu, donc ça doit aller dans ma bibliothèque grand format non lu. Ça doit aller dans les Gallmeister. Ça, je vais les faire gagner en concours, mais celui-là, je vais attendre Noël, bien sûr. Et celui-là, je vais attendre, je sais pas. Et celui-là, il doit aussi aller dans la bibliothèque des non-lus. Oui, grand format non-lu. Donc ça va aller comme ça. Et du coup, mon bureau est un peu... il n'est pas encore parfaitement bien rangé. Ça, c'est deux épreuves non corrigées Nami. Mais du coup oui je vais un peu voir et celui-ci aussi je pense le mettre sur book, ah oui ça je l'ai encore fait, mettre sur Book Village, donc voilà parce que je l'ai en double, donc voilà un petit peu le résultat et je suis assez contente, ça fait très aéré celle-là. Bon, il y a beaucoup de livres, hein. je ne les ai pas encore lus. Donc voilà, celle-là, ça fait moins aéré, mais elle est dans le coin, donc je trouve ça très joli. Et non, franchement, je suis ravie du résultat. Et du coup, ma bibliothèque grand format qui est sur le palier au premier étage. Donc ça, là j'ai mis pour l'instant mes poches non lues, mais que je veux garder. Là j'ai mis, enfin je vais faire dans l'autre, là j'ai mis tous mes grands formats non lus.
à l'exception de... Enfin, il n'y a pas les Charleston, il n'y a pas les Hurlevents et il n'y a pas les Faubourg Marigny qui sont en bas. Ça, ce sont mes graphiques, etc. Ça n'a pas changé. Alors ici, j'ai une partie des grands formats que j'ai gardé, mais il y a une partie là derrière à voir un petit peu comment j'organise ça. Là, il y a mes Gallimard. Là, c'est pour une vidéo que j'ai tournée. Et alors là, j'ai mis mes... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mes Cozy Mystery. Et j'ai continué là. Et alors ça, c'est les deux dont je vous parlais dans la chambre, enfin dans mon bureau. Il y en a un que je vais faire gagner à Noël et l'autre, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. À mon avis, je vais lever le ventre sur Book Village. Et alors ici, j'ai rien changé. Je vais juste enlever la lampe. Ça, ce sont les mangas du frère de Nico et ça, ce sont les miens. Donc voilà ma bibliothèque. Alors, sorry pour le zoom, c'est un peu bizarre, mais c'est en 0,5 parce que j'ai pas beaucoup d'espace derrière moi. Parce qu'il y a la cage d'escalier qui est juste derrière moi, donc j'ai pas beaucoup de recul. Donc voilà. Ah oui, et là c'est le brawl, enfin le brawl façon de parler, voyage que je dois encore faire, mais je n'ai pas encore pris le temps. Je suis assez contente du résultat, même si je dois un petit peu mieux arranger et mettre mes livres. Enfin ici par exemple, ils sont en diagonale, etc. Là il y a un trou par exemple, etc. Mais le gros est fait, et là tout en haut, ce sont mes poches que je garde pour le moment en tout cas. Donc voilà, voilà, voilà. Et du coup, je termine mon petit tour de bibliothèque en vous montrant. Donc là, je suis dans le salon, la télé est juste en dessous, avec ma collection de les éditions Charleston. Donc là, il y en a deux qui sont par tasse parce que je dois les mettre au bon endroit. Ma collection Hurlevent, et là, je dois encore mieux faire. Et ça, c'est les petits goodies que j'ai reçus dans les colis des voix Hurlevent. Et alors, de l'autre côté, là c'est la cheminée. De l'autre côté, bon, au-dessus c'est les vaches, je dois les ranger. On a ma collection Faubourg Marigny qui continue ici. Là, il y a encore deux épreuves non corrigées qui doivent monter. Et alors ça, ce sont des livres que je dois encore ranger. Et derrière, ce sont les livres que je dois absolument vous présenter. Enfin, que je voudrais absolument vous présenter. 12 mois, 12 livres pour 2024. Et alors en dessous, ça c'est l'admin, ça doit changer de place. Et là, c'est les différents livres... à voir un petit peu avec Nico ce qu'on fait, mais c'est des livres un petit peu plus de salon. Donc voilà un petit peu le résultat. Et alors là, il y a la cheminée. Comme ça, vous visualisez peut-être mieux. Du coup, je vais m'arrêter ici pour ce vlog. Je vais le monter. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira exactement, mais le temps de le monter. J'espère que ce petit tour de bibliothèque vous aura plu. Là, j'ai préparé les caisses pour envoyer mes colis pour les livres que les gens ont déjà achetés ce week-end. Donc ça y est, c'est parti, je vends mes livres. Mais je suis super contente du résultat. Franchement, moi, ça me fait beaucoup de bien de vendre certains de mes livres. Et oui, ça fait... Enfin, en fait, désencombré. Je suis déjà avec le scotch en main, prête à faire les colis. Mais donc non, franchement, je suis super contente de ma décision. On verra si dans le temps j'ai un regret, mais je pense pas sincèrement. Et dans le pire des cas, entre guillemets, attention aux oreilles sensibles, mais ce ne sont que des livres. Donc si vraiment, vraiment, je regrette quelque chose, je pourrais toujours, c'est vraiment pas l'objectif, mais je pourrais toujours le racheter. Donc voilà, mais je suis super contente en tout cas. Je vais vous mettre en barre d'informations le lien pour pouvoir avoir accès à ma bibliothèque sur Book Village. Donc je rappelle, c'est vraiment style Vinted, mais spécifique pour les livres. Ça a l'air vraiment très très bien fait. Je vous ferai un retour complet, comme je disais, quand j'aurai un peu plus d'expérience. Mais donc voilà, en tout cas moi je suis super contente et j'ai hâte vraiment de voir un petit peu ma gestion de mes bibliothèques dans les prochains jours, / prochaines semaines et même plus prochains mois. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à vous filmer. Je vous fais pas d'update de lecture parce que ça n'a pas changé depuis la dernière fois que je vous ai pris. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Donc, je m'arrête ici. Comme toujours, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien, votre présence, vos commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur et c'est que du plaisir. Trop, trop chouette. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine ou week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures !